Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Le samedi commence très bien, il pleut, voilà, donc on est samedi, il pleut, possibilité de pluie, bah c'est le cas, hein. Est-ce que le dimanche, ouais d'accord, donc en gros, on a des... c'est de la merde, on a des météos de merde à la maison. Je pensais qu'on resterait une journée de plus ici, mais en fait, rien du tout. Hein? On va mettre fin aux vacances qui vont être dans la journée et puis on va rentrer. Puisque de toute façon, avec un temps aussi naze, ça ne sert à rien. Alors, la dernière fois, on a eu Hélène qui est devenue une adolescente. Voilà, elle est pas très en forme. Et Nadine qui est devenue une enfant. Voilà, voilà. Ah, ses sourcils ont sauté, quel bonheur. Il s'est quand même passé pas mal de choses la dernière fois et on s'approche terriblement de l'anniversaire de notre beau Joseph. Et oui, parce que son anniversaire, c'est demain. Voilà, donc demain dimanche, nous serons eh ben, en 1970. Oh là, mon Dieu, enfin plutôt lundi. Hein, vous savez que moi, qu'on fonctionne par jour. Merci, nouvel abonné. Et ça fera le temps de mettre en place tout ça, l'anniversaire le dimanche soir. Tout ça, eh bien écoutez, c'est bien. Les années 60 se seront passées très 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 vite. Par contre, les années 70, je pense, vont être assez longues, puisque comme il devient jeune adulte, il faut après faire avec l'enfant qu'il aura, ou pas. Puisque aussi, il faut attendre que Nadine devienne adolescente pour que les votes puissent se faire. Donc, bah, je ne sais pas encore si j'attends qu'elle devienne ado, alors qu'elle vient tout juste de devenir enfant, et qu'elle deviendra ado dans 12 jours. Ça peut le faire, donc ouais. Mais Joseph sera plus vieux. Mais c'est pas grave, de toute façon, le garçon, il peut pas rajeunir, vu qu'il ne peut pas enfanter. De toute façon, je vais lui trouver une jolie petite femme, tout ça, mais... Voilà, les années 70 seront peut-être plus longues que les années 60. Et c'est pas plus mal, puisque les années 70, ça reste d'être fun. Il ne reste que 4 heures avant la fin des vacances. Mais oui, bah ouais. Oula, pardon, j'ai bougé la lampe, mais... Et puis ils sont tous tristes parce qu'ils ont raté leur jour de vacances de la veille. C'est super, c'est génial. Ne mettez pas trop de choses quand c'est un jour férié, parce que s'ils font pas tout, ils vont être déprimés alors que c'est les vacances, quoi, mais tout va bien. Bah alors, ma jeune jeune, t'es une tristoune parce que c'est la fin des vacances et que en plus il a plu et tout. Regarde, ah bah maintenant il pleut plus. Pff, bien sûr, bah ouais, mais c'est le jour où on s'en va. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça, les mêmes histoires, hein. Ouais, toute la petite famille prend le petit-déj, ça y est, ça commence à aller mieux. Y a Chiantal qui est pas encore en forme. Voilà, alors que Floron se met à chanter. Dis donc, Geneviève, pourquoi t'es coquine là? T'as une envie de. T'as une envie de Philippe? C'était comme ça qu'il s'appelait? Philippe, ouais. Beau gosse, le Philippe. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans ton entourage qui serait pas mal, à part Jonas? Tu ne connais pas d'autres garçons. Et Joseph, il connaît qui? Il connaît Monique, ça, il la connaît bien. En garçon. Oh, Lulu est devenu vieux! Oh, aïe, 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 ça va beaucoup trop vite. Eh ben, en garçon, il n'en connaît pas non plus. Eh ben, c'est triste, tout ça. Hein? Et puis, Hélène, est-ce qu'elle connaît des garçons? Bah, elle connaît pas grand monde, non. Hélène, elle est... Non, malheureusement, Hélène, elle ne connaît pas grand monde. Et toi... Ah bah, toi, tu connais Daichi. Mais, bah, pareil, il n'y a pas grand monde dans le... Oh là là, Nadine, c'est la pire! Bon, vous pouvez voir nos deux ados. Et Hélène que j'ai relookée, elle est trop belle, elle est trop jolie, regardez-moi ça. Bon, elles ont quasiment la même tenue, hein. J'ai pas trouvé trop de tenues années 60, mais de toute façon, ça sera pas pour très longtemps les années 60. Oh là là, Florent, mais va te laver. Oh là là, t'es en état. Va, va, va. Non mais voilà, allez, arrête de discuter. Va te laver, va pisser parce que là, ça va plus du tout, hein. Mais regardez comme elle est jolie. Oh là là. Elle est trop belle, Hélène. Non, mais les filles, les deux là, elles ont envie de rentrer chez elles. Hein? Voilà, ça fait trop longtemps qu'elles sont pas à leur maison, donc elles sont tristes. Non, mais les meufs, je sais qu'à Granite Falls, il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand même,
Vous êtes en vacances, vous êtes les premiers de la génération même du Decades à partir en vacances et vous vous plaignez. Est-ce qu'on prolonge les vacances? Allez, on va prolonger les vacances d'une journée. Comme ça, on rentrera pour dimanche pour faire l'anniversaire de Joseph. En attendant, eh ben, ils vont faire avec. On va rester une nuit de plus parce que. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pleut plus. Donc ça me donne envie de rester un petit peu. Non mais ils sont tous envie de rentrer chez eux. Non mais c'est une blague. Et moi qui ai prolongé les vacances une journée. Non mais Nawak, allez, va courir aussi, tiens. Va courir, ça fait partie des trucs du jour. Allez Florent, tout le monde dehors, tout le monde au jogging. Voilà, hein. Un petit peu de sport pendant les vacances. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Bras brûlés? Mais mais Geneviève, mais qu'est-ce que tu nous fais, cocotte? Ça va plus, hein. Ah, il y a une super tenue que j'ai mise pour Hélène pour le sport. Regardez-moi ça. Cette espèce de juste au corps magnifique. Oh là 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 là, sexy attitude quand même, hein. Dis mon petit Jojo. Qu'est-ce que tu... Non mais... Ah, oh, mais arrêtez de casser les pépettes. Tu vas appeler... pas Monique, hein, parce qu'on l'a déjà appelée Monique. Qui c'est que tu vas appeler? Alors Manon étant la sœur, j'ai pas envie de faire de scandale. Tu vas appeler... T'en connais pas 10 millions? La dernière fois, il y en avait plein qui sont venus, elles sont passées où? Tu vas appeler Caroline, tiens. Allez. Voilà. Alors, la torticorne, on s'en fout. Mais elles sont drôles, là, les gosses, là. Alors, tu as invité, comment elle s'appelle, Caroline? Envoyer un SMS de bonheur. Elle doit être dans le coin, après, faut la trouver, ça c'est toujours compliqué. Ça y est, elle est enfin là. Attends, attends. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Hein? Tu vas taquiner à propos des notes, tu vas la complimenter. Tu vas faire connaissance. Tu vas partager l'excitation du jour férié. Ah, mais elle est triste. Bah, c'est pas possible, cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être tristes, les Sims, ici? Allez, mon Jojo. Faut que tu te fasses la main avant la prochaine. Parce que quand t'es adulte, t'es jeune adulte, c'est fini les crac-crac juste pour le plaisir, hein. Tu seras obligé de semer ta petite graine, donc vaut mieux que tu t'entraînes avant. Voilà, avec toutes les filles que tu connais. mais t'es beau, tiens. Ah bah bravo! Eh mon Jojo! How you doing? Oh yeah! Oh yeah! Ça fonctionne! Tu es le meilleur, mon Jojo! Tu es le meilleur! Oh! Qui c'est qui s'est chopé un... Ah non, c'est la bonne réputation de Joseph. Bon, bah tant mieux, je préfère ça que un trait bizarre ou je sais pas. Tu vas flirter avec la demoiselle? Bon, c'est pas un prix de beauté, hein. On va se le dire, hein. J'aime pas trop son profil, ni de face d'ailleurs. Bon. Monique a été quand même beaucoup mieux. Hein? On va pas se le cacher. Oh! C'est bon ça, mon petit Joseph. Tu es très, très, très fort. Voilà. Un épisode, une dulcinée. Tu vas offrir une rose. Tu vas prendre une pose sexy. Tu vas lui embrasser le cou. Et puis vous allez monter. Ça y est, c'est bécoté. Non, parce que dans l'île des parents, c'est peut-être un peu trop obvious, vous voyez, donc je préfère encore qu'il monte. Parce qu'il y a tout le monde qui aurait de choses. Il y en a un qui va aux toilettes. Bah, en plus, il y a Florent qui prend sa douche, donc non, vraiment pas. Pour l'intimité de Joseph, eh ben, on va aller juste aller dans la chambre du haut, ce sera beaucoup mieux. Allez, les petits amoureux, ou pseudo-amoureux, hein? Bon, bah voilà. On va laisser peser, comme on dit. Oh, mais c'est vrai, Gigi! Il y a longtemps que t'as pas joué du violon, ma belle! Oh, oh oui, t'es rouillée, hein, ça se voit. Ça fait un moment. Alors, attendez, cuisine 10, éducation 10? Ouais, quand même, hein. Et violon 5, bientôt 6. Ça va aller mieux. Ah, bah oui. Alors, est-ce que ça va nous arracher les oreilles ou pas? Cette tête, quand même. Je m'en lasse pas du louchage qu'elle fait quand elle joue, elle est trop chou.
Ah, oh, c'est bien, ma Gigi. Oh, regardez, il y a sa petite famille qui vient la regarder. Ah, oh, c'est trop cute. Ah, c'est quand même mieux. Ça y est, elle s'est dégourdie, là. Elle a remis de l'huile dans les rouages. Ça coule un peu mieux, hein. Bon, c'est dommage. On n'aura pas eu le temps d'aller en forêt. Ou alors, on y va de nuit. Ouais, je pense qu'on va y aller de nuit. Dès que Joseph a fini ses petites aventures. Ah bah! Ah bah, il a fini. Là, il se prend un bain, maintenant. Sacré Jojo. On va faire un petit tour dans la forêt. J'ai envie de dire, du coup, toi, t'avais un... Ça. Ah ouais, on peut pas la sortir. Ouais, je me disais bien aussi. Est-ce que là, par contre... Ouais, eh ben, voyez, on va mettre la tente ici, s'il y en a un de la maison qui veut se réfugier. Voilà, et on va mettre la glacière à côté. Voilà, comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu vas nettoyer, toi? Que dalle! On va chasser des bestiaux et tout le merdier, hein. On va faire ça toute la nuit. Ah! Des lucioles! Oh, par contre, je sais pas qu'est-ce... Ah! C'est lui qui fait ce bruit! Bon, il vole, là, hein, mais... Attendez, c'est une blague ou quoi? Il est où? Mais il est dans l'arbre! D'accord, c'est pour ça qu'il fait un bruit pas possible. Oh, la grosse blague. Allez, comment elle s'appelle? Chiantal, arrête de faire la gueule. Hop là! Des lucioles attrapées! Ça, c'est cool, on va continuer à chasser. Tout le monde se met à l'action, hein. Chantal, elle attrape des trucs. Hélène aussi. Tout le monde cherche des petits trésors dans cette petite forêt. Par contre, faut les choper. Hein. Faut les choper au bon moment. Mais je sais pas. Ah! Si! Il y a encore là des lucioles, cocotte. Viens, viens les choper. Voilà, ça attrape de partout. Platinium, une bonbondénite. Je ne sais pas où je suis. Gigi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux contempler la plante et récolter le fruit? Non. Non, c'est peut-être des... Je sais pas. Ah bah, elle arrive justement. Eh, viens ma Gigi! Viens ma Gigi! Oh, viens ma Gigi, viens. Ah bah non, elle est partie... Ah oui, d'accord, elle est partie avant... Ouf, bah, écoutez, des criquets, des machins. On les voit tous courir. C'est bien, c'est cool. J'aime bien. Wouah! Et ça, c'est quoi ça? C'est des libellules? Oh, trop bien! Allez, il faut vite. Bon, alors, faut arrêter les poissons bonbons là. Voilà, Joseph, une truite, ça c'est bien. Chiantal, viens vite pour les libellules avant qu'elles s'en aillent. Ça y est, elle arrive, ah, ça y est. Ah ouais, d'accord, bref. J'ai pas mis mon costume d'ours, hein. Je suis triste! Voilà! Qu'est-ce que tu nous as attrapé? Des libellules! Oh là là là! C'est quoi ça? Les papillons! Bon, bref. Libellules, papillon monarque, criquet 15, Simflouz de criquet 15, Simflouz la... Oh bah c'est bien! Tu vois que tu nous sers quelque chose à quelque chose quand même, Chiantal. Oh mais qui sont beaux, mes enfants! Enfin, les enfants. Père et fils! Ah là là! Bon, ils nous chopent des trucs qui sont pas... Voilà, hein. Ah, ils deviennent beaux copains, mais c'est pas tout mignon, ça. Ils nous attrapent des bonbons, des poissons bonbons, ce qui est complètement logique. Les hommes à la pêche et les femmes... Ah bah... Elle s'est mise à jouer du violon, c'est logique. Ah bah, c'est sa passion. C'est quoi que tu nous as pris? Des fruits non identifiés. Mais ça coûte combien? 2 simflouzes. Oui, bon, bah écoute. On verra, on les plantera tête à la maison, on verra ce que ça donne, hein, bébête. Ah non, les filles, elles sont en train de bouffer. Voilà. Hein, laissez 2 adolescentes, elles font la gueule. Non, mais moi, je m'en fous, les trucs de la forêt, franchement, quoi. Non, mais attends. Nous, on veut des burgers frites, quoi. Merde, ils sont où les mecs ici? Il y en a même pas un seul qui est potable dans le coin. Pff. Franchement, moi, je préfère faire la gueule. Hein. Dis donc, regardez ce que je viens de trouver. Bon, il est pas dégueu. Matteo Prince. C'est un prince que nous avons chez nous. Je vais envoyer Geneviève. Ce Geneviève, c'est celle qui est la plus vieille et qui est plus susceptible de le choper. Bon, par contre, il faudrait que je refasse sa façade de côté. Mais bon, il doit venir de la galerie, celui-ci. Mais voilà, comme ça, elle apprendra à le connaître un peu.
Allez, hop. Des lucioles aussi pour Hélène. Bravo, les filles. Oh. Chianta, allez, regarde les étoiles. Alors, est-ce que tu les vois, les étoiles? Moi, je ne vois rien. Vu qu'on peut faire maintenant la vue premier, vue du Sims, c'est vachement plus intéressant, hein. De voir... Et il pleut. Oh non, hein, c'est pas possible. Bon, bah allez, on va remballer, là. Toi, arrête de pêcher. On va récupérer notre tente et notre glacière. Oh, Nadine! Maman! Gigi! Tu vas l'engueuler ta fille, là. Tu vas l'engueuler, éducation... Discipliné, sévère, hurler dessus. Voilà. Et puis, toi, tu vas reprendre nos affaires. Ça pourra toujours resservir, hein. Dans le jardin, qui sait. Alors, c'était horrible, voilà. Ça va être encore... Ils vont être encore tristes et tout. Toi, tu peux arrêter ça. Toi... Ah ben, il est où, ton gars, là? Il est parti? Tu l'as abandonné? Elle a juste dit bonjour. Elle est bientôt dans tous ses états. Il est où, ce garçon? Il est où, ce jeune homme? Ah ben, il est là! Oh, mais tu peux quand même... Tu vas regarder les étoiles avec lui, tiens. Voilà, ma belle. Alors, il est un peu 4h du matin. Vous allez faire crac-crac tous les deux. Comme ça, c'est fait. Oh, bah écoutez, hein, on met à profit. C'est peut-être la dernière fois qu'ils pourront avant un bout de temps. Donc, voilà. Et je vais mettre les filles au lit. Chantal à la fin. Chantal va dormir, va manger et après tu vas dormir. Et toi aussi. Voilà. Hein? Comme ça, c'est le programme de tout le monde. Il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes. Qui? Non? Ah bah c'est Florent! Mais non, Florent, tu vas même pas assurer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, non, 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 crac, crac. Allez. Gigi. GG. Ça promet d'être nul, mais c'est votre dernier, hein, quasiment. Demain, votre fils, du moins aujourd'hui, dimanche, votre fils devient un homme mature, fait. Un homme fait, comme on disait dans le temps, comme dans Game of Thrones, par exemple. Un homme fait. Voilà. Bon, normalement, il est déjà un homme fait, puisqu'il a déjà fait crac-crac avec deux filles, en plus. Donc, il est déjà un homme fait. Allez! Oups là, le lit avait disparu encore une fois. Lui... L'homme fait, il va aller au lit. Ah mon Joseph, ça y est, tu vas devenir un homme. Mais ça, je pense que ce sera pour l'épisode prochain. Et moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description, à regarder une ou plusieurs pubs avec Utip qui est aussi dans la description. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge avec l'anniversaire de Joseph et le passage aux années 70. Oh my god! Allez, sur ce feu d'artifice, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.